Léa Haddad, Star Academy, sa réponse cinglante au manager de Vita après leur échange musclé. La guerre est déclarée. Ce dimanche 5 octobre, Léa Haddad a provoqué les foudres du manager de Vita après avoir critiqué le rôle de marraine de la chanteuse à la Star Academy. Après avoir lu la pique du producteur de l'artiste à son égard, l'ancienne star académicienne a contre-attaqué sur TikTok. C'est bien connu, Léa Haddad n'a pas la langue dans sa poche. Découverte en saison 10 de Star Academy, la jeune femme au tempérament volcanique s'est très vite démarquée de ses autres camarades d'Aventure. Pas étonnant. Alors, qu'elle se soit hissée jusqu'aux portes de la finale, avec Louis, Enola et Anisha. Ce samedi 4 novembre, alors que les Français découvraient les 13 nouveaux pensionnaires de Damery Leslis, la jeune femme a ouvert le bal avec ses trois camarades pour chanter aux côtés de David Guetta. Si l'ambiance était propice à la franche camaraderie, en coulisses, les nerfs de la chanteuse étaient plus que tendus. Sur le réseau social X, un internaute a partagé sa peine en découvrant le parrain et la marraine de cette nouvelle édition. Evita et James Blunt, on se fait CH*R, mettez Léa, seulement là, il y a de l'impact, a-t-il écrit. Un tweet qui n'est pas passé inaperçu, puisque la jeune artiste s'est empressée de le repartager et d'y ajouter la mention. J'avoue. Très vite, le manager de Vita, Saïd Boussif, qui a aussi été celui de Léa, a réagi à cette pique sur Instagram. Léa Haddad contre-attaque sur TikTok. Chère Léa Haddad, force est de constater que n'ayant ni carrière, ni son, cela laisse forcément le temps à l'aigreur. Avait-il déclaré en story Instagram, avant de terminer par un message plus qu'équivoque. Je te souhaite, ne serait-ce qu'au 1% de leur succès. Ce n'est pas beau de cracher dans la soupe. Si l'ancienne meilleure amie de Tiana n'avait pas pris la peine de répondre au producteur dans une énième story Instagram, c'est parce qu'elle lui réservait une courte vidéo sur TikTok. En effet, hier soir, l'ancienne élève de la Star Academy a partagé une courte vidéo dans laquelle elle se filme en train de rajouter de la sauce piquante sur une pizza pour les besoins d'un shooting photo. Les internautes se sont bien évidemment attardés sur la légende de ces images, choisies avec le plus grand soin. Qui va manger la pizza? Hashtag aigreur, hashtag TikTok Music, hashtag New Music, hashtag FIP, a-t-elle écrit, envoyant un nouveau tacle à celui qui fut, jadis, son manager.